I'm probably much too late to try and apologize for my mistake. I just want you to know. Piment cabri. Oh, la chaîne qui pouaque. Je suis née le 11 mars 2003 à Saint-Denis. Je suis chinoise et malbare. Ben, maman ou papa, je pense, je sais pas. Celui de Beyoncé, le Sacha Fierce. Non, je pense pas. Depuis toujours. Depuis toute petite, je chante. Une expérience au niveau du public et une ouverture sur le monde de la musique. Non, pas déçue du tout. J'étais contente pour Lucinda parce que vraiment, elle chantait vraiment trop bien et on savait que c'était elle qui allait gagner. Bah oui, je suis déjà allée en boîte de nuit avec ma maman. Donc pas de problème avec ça. Dans mon expérience, je dirais que oui, c'est un passage obligatoire parce que pour apprendre la technique vocale et comment bien placer sa voix et savoir lire les partitions aussi, c'est important. Il me semble que du coup, c'était avec le conservatoire et on était très stressés, on va dire, mais on avait travaillé toute une année pour montrer à nos parents et au public ce qu'on avait fait, donc on était vraiment très contents. Et c'était une super expérience. Oui, parce que parce que on est beaucoup sur la Terre, mais il y a beaucoup d'univers aussi, donc je pense pas qu'on soit tout seul. J'ai appris à jouer de la guitare récemment. Il n'y a pas très longtemps, et donc je préfère la guitare aux deux. Mon chanteur préféré, je dirais Bruno Mars, pour tous les styles qu'il arrive à chanter et sa diversité, on va dire. Du coup, c'est une chanson de Bruno Mars, et ça s'appelle When I Was Your Man. Though it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistake. I just want you to know. Les pieds qui puent. Massalé cabri. Le massalé cabri de papy surtout. Je dirais au niveau local, j'aimerais beaucoup chanter avec Marshall ou Bart. Et au niveau international, si jamais un jour c'est possible, je dirais Ariana Grande ou Bruno Mars ou Beyoncé. Voilà. Mon premier album, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu, mais on croise les doigts et on verra bien. Bonne continuation dans les études et surtout dans la musique. Et j'espère revenir très bientôt avec une nouvelle chanson.